Bonjour les passionnés de voyages hors saison et loin des foules. Nous nous engageons sur la belle route de l'Atlantique FV17, le Kistrix-Veyen. On prend les trois premiers ferries sur cette route. Ici, nous passons près de la montagne Troetorgaten. Après un détour, nous revenons vers la côte au Saltstromen. La route côtière FV17 relie Steinkjer et Bodø à proximité ou directement sur la côte atlantique de la Norvège. Cette route traverse les paysages de Nandalen, Helgeland et Salten. De nombreux tunnels et au moins 6 ferries sont nécessaires pour couvrir les 650 km. Le cercle polaire arctique est traversé sur le ferry Kilbogam-Njektvik. La route FV17 est une alternative à la route européenne 6 lorsque l'on voyage vers le nord jusqu'au Lofoten ou au Cap Nord pour la beauté des paysages, mais c'est aussi une destination de voyage à part entière. Les municipalités voisines commercialisent la route panoramique sous le nom de Kistrix-Veyen. Une sorte de guide de voyage gratuit est publié chaque année, dans lequel les touristes peuvent trouver de nombreux conseils sur les sites touristiques, mais aussi des informations sur les horaires et les heures d'ouverture des ferries. C'est surtout un cahier publicitaire. Sur les dernières pages se trouvent les horaires des ferries. Mais attention, il s'agit de l'horaire d'été juillet-août. Hors de cette saison, l'offre est massivement réduite et il n'y a pas de livret pour la basse saison. Ces plans d'horaire sont tous différents. L'exemple de Holm à Vensind indique les passages durant toute l'année, mais ce n'est pas le cas de tous. Nous voilà sur le passage en ferry le plus méridional du Kistrix-Veyen, de Holm à Vensund. Nous payons le prix standard de 123 couronnes norvégiennes pour un véhicule jusqu'à 6 mètres de long. On a un peu d'attente. Beaucoup même, plus d'une heure. Une jetée permet de prendre un peu de recul sur l'embarcadère qui est sinon construit directement sur le cap de Holm. Le ferry est tout neuf. Le grand bloc blanc sur le quai est un système de chargement des nouveaux ferries électriques. Ils sont en fait hybrides car ils disposent aussi de moteurs diesel, mais en temps normaux, ils peuvent faire les passages sans mettre les moteurs à combustion en marche. La charge des batteries doit être très rapide car les ferries ont rarement plus de 10 minutes d'arrêt pour un trajet de 20 minutes comme ici entre Holm et Vensund. On débarque à Vensund sous la pluie. Contrairement à Holm, il y a un petit village en plus de l'embarcadère. Nous ne nous arrêtons pas, cela fait un bout de temps que nous roulons et nous cherchons un emplacement pour la nuit. La pluie fait une pause en soirée. Nous visons un emplacement trouvé sur Park Fortnite. C'est une baie devancée par quelques îles qui se transforment en presqu'îles par mer basse. La caisse ici est particulière. On ne peut payer que par pièces de monnaie de 10 ou 20 couronnes ou par l'application Vipps. Contrairement à partout ailleurs, la carte de crédit ne fonctionne pas. On essaie d'abord d'installer l'application Vipps. Le réseau est bon, cela va bien. Nicolas entre toutes sortes d'informations, mais pour finir il faut un numéro de pièce d'identité norvégienne qui a un nombre bien défini de chiffres. C'est bien sûr impossible pour nous comme pour tout autre étranger. On retourne à Vik pour faire des courses et trouver des pièces. Le coucher de soleil aurait pu être beau comme hier, mais il y a trop de nuages. Sans soleil, il fait aussi plus frais et la pluie intermittente ne cesse pas. On cuisine quand même dehors, histoire de réduire un peu les oignons et les tomates. Nous profitons d'une accalmie de la pluie et de la marée basse pour avancer au bord de la presqu'île nord de la baie. Devant se trouve un écueil dépassant de peu le niveau de la mer. Il est accessible à pied à marée basse. On voit au loin d'autres îles et écueils dont la plupart disparaissent à marée haute. Le lendemain, 1er septembre 2022, nous visons la montagne Torgaten. Pour y arriver, il faut passer le pont courbé de Brønnøysund. Les gros nuages se dissipent peu à peu. Les prévisions météo par YR.no prévoient une belle journée. Ce service est très bon, mais uniquement pour 24 heures en avance seulement. Ce n'est pas l'erreur des météorologues, mais c'est dû au manque de relevés météorologiques dans l'Atlantique Nord. Torgaten est une montagne près de Brønnøysund avec une forme géologique particulière. Au milieu, il y a un trou d'environ 35 mètres de haut et d'environ 160 mètres de long.
Il a probablement été créé par le lessivage des vagues de la mer lors du soulèvement post-glaciaire toujours en cours après la fonte des glaciers de la dernière période froide. On peut atteindre le trou en environ 20 à 30 minutes de marche et avoir une vue magnifique sur l'archipel norvégien. Nous le traversons du nord au sud et retournons par le sud de la presqu'île. Nous stationnons au parking au pied de l'accès au sud-est près de Inneraten. On y trouve des panneaux relatant l'histoire et un plan des sentiers. La vue telle que sur le panneau n'est possible que de l'une des îles au sud-ouest. La montée dans le granit est rapide. Il fait frais, cela évite un peu de trop transpirer. Les rochers sont gros, par moments sont aménagés des marches, mais on marche aussi dans l'eau, dans la boue et sur de la falaise plus ou moins tranchante. Ce n'est pas une randonnée à faire en sandalette, même si elle est courte. Dès que l'on quitte le toit de roche côté sud, on voit un peu plus du paysage. Des îlets des écueils nommés Torgvrets devancent la presqu'île formée par Torgaten. Au pied de la montagne se trouve la ferme Itraten et au loin se trouvent les montagnes de Sømna où nous sommes passés la veille. La descente côté sud est moins empruntée. Il faut se tenir un peu à gauche du ravin et passer à gauche de la ferme. En bas, on voit un monticule. Droit dans l'axe du trou se trouve un sentier pour le gravir. On en a une vue idéale dans le trou. Nous en sommes à notre deuxième ferry sur le Kistriksveien de Horn à Andalsvagen. Nous payons le prix standard de 109 couronnes norvégiennes pour un véhicule jusqu'à 6 mètres de long. La traversée dure près de 20 minutes. Un soleil plus franc est revenu et la vue sur la côte avec sa multitude d'îles est meilleure qu'en début de journée. Le ferry est petit, pas tout récent, à moteur diesel et le pont des véhicules est à ciel ouvert. On ne passe qu'un fjord et la mer ouverte est assez loin. Le passage routier de Andalsvagen à Forvik est le plus court de tout le Kistriksveien avec seulement 17 km. Autre curiosité, bien que l'on soit sur la terre ferme, il n'y a pas de bifurcation notoire hormis des pistes qui partent dans les champs. Aucune vallée latérale n'est accessible sur ce bout de terre appelé Vevelstad et coupé du reste de la Norvège par une chaîne de montagnes haute de 800 mètres. Les habitations ici ne sont donc accessibles que par les ferries. Il serait logique que les ferries soient accordées entre l'arrivée à Andalsvagen et le départ 20 minutes après à Forvik. Mais pas du tout. Les locaux n'en connaissent pas la raison. D'après l'horaire, on a plus d'une heure d'attente. Il fait beau au moins, il y a du soleil et pas de vent. Il n'y a pas grand monde quand nous arrivons. Il faut toujours commencer à remplir les files en commençant par la file 1. C'est celle par laquelle l'embarquement commence. C'est important quand il y a beaucoup de véhicules qui attendent comme ce sera le cas ici plus tard. Excepté de cette règle semblent être les bus de ligne et les camions laitiers de la compagnie Tinné. Nous passons des longues heures à attendre car le nouveau ferry électrique est en panne. Nous le retrouvons sur un site qui permet de suivre les navires en ligne et au lieu de venir de Tjøta à Forvik, il se dirige vers le nord et Mo i Rana. Mis à part un horaire, une salle d'attente et des toilettes chauffées, il n'y a rien d'autre à cet embarcadère. Personne pour nous informer, pas d'affichage électronique. Un Norvégien appelle la compagnie et on lui confirme la panne. On lui dit simplement qu'il faut attendre le ferry suivant. Il semble qu'il fera aussi des arrêts à Stokasjøen, à Trå et à Mainland. Nous savons donc que nous avons encore plus de 2 heures à attendre. Plein de temps pour explorer l'embarcadère et le port. Forvik est paisible. On y trouve un café et un tout petit camping, sans doute pour ceux qui restent coincés ici le soir. Cet embarcadère est un ancien poste marchand. Un port de pêche se trouve un peu plus loin. On attend d'abord près de la voiture au soleil. Puis, nous explorons un peu le port de pêche. Voilà la direction dans laquelle nous devrions partir. Après 4 heures d'attente, arrive enfin un ferry. Il est beaucoup trop petit pour tous les véhicules qui attendent.
Nous sommes heureux d'être sur la file 1, mais nous sommes quand même inquiets. Nous savons que c'est un ferry qui dessert d'autres petits embarcadères en cours de route, ceux-là devront aussi partir en priorité car l'agent demande ceci avant tout embarquement de véhicules. Les véhicules pour les arrêts intermédiaires doivent aborder le ferry en sens inverse pour pouvoir débarquer plus aisément et plus facilement. Nous utilisons FerryPay pour payer les passages, on ne reçoit les factures que quelques minutes plus tard sur le portable. L'opérateur public Nordland Fylkeskommune est très correct car il ne nous charge rien pour le long trajet à cause de la longue attente. Le prix devrait tourner normalement autour de 200 couronnes norvégiennes pour un véhicule jusqu'à 6 mètres de long. On est finalement quand même de la partie et ce très vite, le camion laitier doit attendre. Le ferry tourne sur place. Nous appareillons enfin quelque part. Même la direction est bonne. Devant nous un fjord libre. Le ferry fait certes plus de route qu'en ligne directe, mais les arrêts intermédiaires sont vraiment très courts. Finalement, c'est un bal agréable à regarder d'en haut. On est le plus souvent dehors sur le pont ouvert car il fait encore bien beau et chaud. Parfois, la vue est uniquement possible de la cabine vitrée. Ici, c'est la section la plus maritime du trajet. Au fond, toujours les montagnes impressionnantes d'Alsta. On passe parmi des îles plates avec quelques cabanes dessus. Nous avons le port final de Tjøta en vue. Nous avons aussi eu beaucoup de temps pour discuter de la suite du chemin à prendre. Le plus grand problème est que l'on ne peut pas sortir facilement du Kistriksveien. Il est trop tard pour filer jusqu'à Ljärvikaheim et Mo i Rana plus loin. Il ne nous reste plus assez de temps pour faire tous les passages et détours jusqu'à Bodø même en imaginant traverser de là directement aux îles Lofoten. On prend donc la décision de quitter la côte au plus vite, même si cela nous fait aussi faire des détours, même si cela nous fait arriver tard à un emplacement peu charmant pour passer la nuit. Nous devons aller chercher Alexandra dans quelques jours près de Narvik et nous voulons encore monter plus loin pour voir des aurores boréales. C'est donc un compromis. Mais André redescendra en partie le long du Kistriksveien FV17 un peu plus de 2 semaines plus tard. Il nous reste encore un bon bout de route jusqu'au tunnel Toventunnelen récent et jusqu'à l'emplacement à Govikneset. Un monument reste sur notre trajet, le pont de Helgeland. Le Helgelandsbrua est un pont à haubans de 1065 mètres de long et 12 mètres de large avec 2 voies et 1 voie piétonne et cyclable. Sa hauteur libre est de 45 mètres. Des indicateurs automatiques de vitesse du vent sont installés devant le pont. Le tablier du pont est une dalle en béton précontraint de forme aérodynamique. Les 2 pylônes en forme de losange en béton armé ont une section creuse au-dessus du tablier et une section pleine en dessous. En traversant le pont, nous avons fait la moitié du chemin. Le soleil est bas, mais nous sommes confiants de pouvoir trouver un emplacement potable au bord du Vefsnfjord. Pour cela, nous devons traverser le Toventunnelen. Le tunnel de Tovnest est long de 10 665 mètres. Il relie les municipalités de Lerfjord et de Vefsn. Les travaux sur le tunnel ont commencé en 2010 et il a été ouvert le 22 novembre 2014.
c'est le plus long tunnel du nord de la Norvège. Le tunnel remplace une route étroite, escarpée et sinueuse le long du Vefsnfjord au sud du tunnel. Il raccourcit la route 78 de 8 km et le temps de trajet est raccourci de 10 à 20 minutes. Le coût du tunnel, y compris les nouvelles routes aux deux extrémités, était d'environ 1460 millions de couronnes, dont 405 millions sont financés par un péage routier toujours en place fin 2022. C'est justement au bord de cette ancienne route ou en bordure du Vefsnfjord que nous espérons trouver un emplacement. Cette route est barrée et privée sur une grande partie. Elle est cependant accessible par le sud-est. Cela nous fait faire un détour, mais ainsi nous revoyons un peu le soleil, même si c'est un court instant. Le problème de ce Fjordvegen est qu'il est très étroit entre la paroi rocheuse à droite et la mer à gauche. La place près du tunnel est trop en pente, on n'y prend que la douche extérieure. On revient donc quelques kilomètres en arrière vers le seul endroit plat qui n'est pas directement sous la paroi. On a ramené du saumon frais. Mais le barbecue jetable ne fonctionne pas. On sort donc notre barbecue à gaz de voyage Scotty. Il finit le taf. Le matin suivant du 2 septembre 2022 est presque joyeusement beau. Les quelques nuages se dissipent vite. Quelques moutons sont surpris de nous voir passer sur ce cul-de-sac. Nous avons traversé le Tovantunnel hier, mais mis à part ça nous ne sommes pas avancés, surtout pas vers le nord. Or, nous sommes assez près de Mosjøen, où André était passé avec Alex en hiver 2014. À l'époque, le temps changeait et le ciel était gris. C'est le moment d'aller voir cette ville colorée sous le soleil. Voilà encore un autre grand plateau après le Dovrefjell quelques jours plus tôt. On monte ce 2 septembre 2022 de Mosjøen près de 1000 mètres sur le Saltfjellet et il fait encore plus beau. Au nord du Saltfjell, la route s'engouffre dans la vallée creusée par la rivière Saltelva pour mener jusqu'à la petite ville de Rogenan au bord du Saldalsfjord. Mais nous n'allons pas si loin. On tourne à gauche vers Misvær. Bien que nous soyons déjà très bas et près de la mer, on remonte de nouveau dans les montagnes. On ne monte plus si haut que sur le Saltfjell, la végétation reste donc plus verte et les moutons au bord de la route nous rappellent les Alpes. On arrive quand même sur une sorte de plateau vallonné. La route est bien moins large que la E6. Les piquets rouges pour les chasse-neige sont déjà installés. L'hiver commence ici le 1er septembre. Midi est largement passé. Le long de la petite route, nous ne trouvons rien pour faire une pause. En passant le lac Kikkelvatnet, nous voyons un carpet et des chaises sur une sorte de terrasse en bordure de l'eau. C'est sûrement un endroit aménagé par des pêcheurs, mais ce n'est pas le bon moment de la journée pour pêcher. On déplie notre casse-croûte et on mange en t-shirt au soleil. Après Misvær, nous longeons le fjord du même nom, Misværfjorden, passons à gauche et nous remontons encore dans les montagnes. Cette fois-ci c'est encore plus court qu'avant, mais les sommets solitaires sont toujours aussi tentants. Mais pourquoi ce détour par tous ces plateaux et ces cols? Nous voulons voir le mystérieux Malmström. En roulant depuis le Saltfjellet bien longtemps vers l'ouest, nous retombons à Saltstraumen sur la route Kistriksveien FV17. Le Saltstrom vaut le détour. C'est le détroit avec les courants de marée les plus puissants du monde. Par la configuration spéciale de la côte, celle-ci forme un entonnoir avec le Saltfjord orienté parfaitement vers l'ouest. L'eau s'échange avec le Skierstadfjord. Ce dernier n'est pas spécialement grand, mais son bassin permet un bon écoulement des eaux retour vers l'océan. L'agitation d'eau principale se crée à l'est du pont Saltstrombroa entre les îles de Stromøya et de Knaplinsøya. Le seul parking officiel se trouve à l'est du pont, pourtant un des meilleurs points de vue est accessible dans le virage à l'ouest du pont. Cette route en terre descend vers un petit parking où on stationne. On continue de descendre à pied le long de la piste forestière. Quand celle-ci tourne à droite, on continue tout droit sur un chemin avec des portions d'escalier en bois. On arrive à un abri de pêcheurs et un autre chemin mène à gauche au bord des rochers. C'est le point de vue idéal l'après-midi. Nicolas et André continuent ensuite vers le nord. Après le pont, on a encore une bonne vue sur le fjord qui sert de réservoir à l'est du Grand Remous sous le pont. Nous approchons peu à peu des îles Lofoten ce 2 septembre 2022 sur la route 6 entre Fauske et Ulvsvåg. Notre but pour ce soir est le phare de Tranøy. Il y a plus de 220 km à rouler encore cet après-midi.
Alex et André sont passés au phare de Traneuil en mars 2014 et ils avaient passé la nuit dans le trafic avec vue sur le phare et aussi Lofoten en face. La route est maintenant en partie goudronnée. André retente cela avec Nicolas ce soir du 2 septembre 2022. C'est encore la saison dans l'abri en location sous le phare. Des panneaux autorisent de stationner, mais interdisent le camping. Ce n'est plus si accueillant comme 8 années plus tôt. Nous n'avons pas beaucoup de regrets car un vent assez fort souffle partout sur cette côte exposée. André reviendra ici avec Alex dans 2 semaines. Nous continuons en sens retour jusqu'à Prestede et puis presque jusqu'à Ulvsvåg pour trouver un emplacement pour la nuit dans la baie Grimshøysen. Une piste descend vers la mer et on peut stationner sur une plaque de granit. On a tout notre temps pour la toilette, mais la précaution était utile, peu après vient un camping-car qui s'installe non loin de notre petite maison roulante. Nous sortons régulièrement pour profiter du coucher du soleil. Nous ne la voyons pas ce soir, mais la caméra du portable de Nicolas voit la première aurore boréale. Demain, nous rejoignons le point le plus septentrional de ce grand tour en Norvège. Pour cela, il reste 2 ferries à prendre. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.